Et voici le deuxième épisode de la série I Am the Zombie. Salut à tous, c'est Dax et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle série, le deuxième épisode de la nouvelle série I Am the Zombie. Alors, là je viens juste de vous laisser pour le prochain épisode, sauf que vous, pour le premier épisode, sauf que pour vous c'est pas le. L'écart, voilà, bon. Alors, pardon pour la coupure, j'ai pas fait exprès, je vais m'enlever F5, voilà. Alors, l'épisode d'avant, j'ai découvert ma petite caverne où je ferai ma petite ville. Et franchement, elle est sympathique. Elle est pas très, pas immense, elle est ni trop petite ni trop grande, elle est sympathique. Alors, déjà, on va y faire pousser un arbre. Normalement, j'ai une pousse. J'espère qu'il y aura assez de lumière. Oui, j'espère. On va descendre par là et on va aller faire pousser la pousse. J'espère qu'il n'y aura pas de zombies qui popperont quand même. Parce que j'aurai besoin d'arbres. Donc en attendant de créer la ville, on va faire pousser des arbres ici. Un arbre ici. Et si, même si j'ai de l'os, je sais pas si j'en ai de l'os, je vais le faire pousser direct. Alors on va mettre des torches autour pour pas qu'ils soient au noir et pas qu'ils se décrochent. Voilà. Alors je vais voir si j'ai de l'os. Ce serait sympa d'en avoir. Ce serait bien sympa. Non, je pense pas que j'en ai. Non, j'en ai pas. Bon. Alors qu'est-ce que je voulais faire? Oui, j'avais trouvé une autre petite caverne. Une autre petite caverne, je disais, où bah il y avait du charbon, donc ça c'est bien, c'est plutôt bien pour commencer, parce que du fer j'en manque pas, je vais vraiment pas en manquer parce que je l'ai pas ramassé encore, mais il y en a vraiment pas mal. Alors je pense que la période fail c'est peut-être à peu près terminée, parce que j'ai pu sécuriser mon endroit, trouver une petite caverne, je sais pas du tout combien, quelle taille elle fait. Ah, ben voilà, ça me donne un aperçu. Et c'est plutôt bien. Il y a l'air d'avoir une jolie map. Je l'ai créée juste avant que vous veniez. Je m'étais mis directement dans une caverne, c'est pour ça que je trouvais plus par où il fallait passer. Alors là, je vais vraiment faire des escaliers parce que ça me bouffe toute ma nourriture. Ça me bouffe toute ma bouffe. Oui, bon. Alors c'est la nuit. Je vais peut-être aller. Non, pas besoin de bois pour l'instant. Mon arbre, est-ce qu'il a poussé? Non, pas encore. Bon. On va faire cuire la nourriture. Voilà, 8. Bon, c'est parfait, j'en ai 8 piles. On va ranger tout ça. Et ben, on va prendre de la lave, tiens. Enfin, pas tout de suite peut-être quand même parce que c'est peut-être un petit peu risqué. Je vais y aller avec une paire de quatuors de torches pour éclairer cela sans risque. Je vais rien amener, je vais amener juste ça pour pas prendre de risque en fait, parce que je suis une tapette. Enfin une tapette, j'ai très peur, j'ai pas envie de perdre mes affaires comme je l'ai fait dans ma série Forgotten Land. Dans l'épisode 14 que je sais plus que vous avez sûrement déjà vu, et j'ai pas envie de refaire le même scénario. Donc j'y vais qu'avec des torches. Pardon, je parle pas là pour l'instant. Je stresse en fait de croiser un Steve. Ah, oh, j'entends un Steve. Il y a du fer de partout, c'est impressionnant. C'est même pas une map que j'ai créée avec World Painter. Ah, voilà un Steve. Regardez le petit Steve, il va mourir dans la lave. Viens me rejoindre. Bon, ils ont. Tiens, petit Steve, meurs. Tu me veux du mal, moi je suis un gentil zombie. Tiens, meurs. Et de la chair de Steve.
Voilà, c'est carrément immense. Il y a des trous de partout. Je sens que je vais bien m'amuser là-dedans. Ça patauge. Ah, un archer. On va vite revenir parce que j'ai pas envie de perdre ma seule et dernière torche. Voilà. C'est sécurisé. En partie. Et ben, on va redescendre avec une. C'est par où? C'est par là. Ouais, mais du coup, je me sens débile un petit peu parce que j'ai rien amené pour remonter. Donc, on va ramasser un petit peu de ça. Ah, je sens qu'on va faire une belle part, des belles parties de mine là, dans cette série. Et je vais bientôt mourir de faim. On va manger ça avant de mourir de faim. On va casser cela à la main parce que j'ai pas emmené de pioche de peur de mourir. Parce que de toute façon, il va vite falloir que je ramasse mon fer. Faudra que je ramasse du fer pour me faire une armure. Où je vais là? Pas du bon côté. Non. Donc voilà. Bon bah, je vais sûrement mourir de faim là-haut en arrivant. Déjà, ça commence. Tac. Bon. Je sais pas, j'ai pas envie de gaspiller ma nourriture pour l'instant pour rien. Parce qu'il me faudrait des milliers de côtelettes et le temps que ça cuise et tout ça, je vais me laisser mourir tout simplement. On va casser ce bloc pour que je puisse rentrer tranquille. Oui, bah ouais. Je vais attendre de mourir, je vais voir si mon arbre est. Non. Bon, peut-être qu'en passant, si je suis pas trop embêté par les zombies, j'irai couper du bois. Suicide parti. Ah bah non. Deux cœurs. Allez. Oh. Voilà. C'est écrasé au sol. On va ramasser du bois en passant. Parce qu'il n'y a que la nuit que je peux faire ça de toute façon. Je suis désolé si je parle pas. Je parle pas forcément beaucoup. Mais il faut que j'arrête de m'excuser tout le temps pour ça. Voilà, allez. On va rentrer. Oh, un archer. Bon, lui, je vais le tuer. Je vais super récupérer des os. Voilà, je spam. Allez, il me faudrait des os. Voilà, j'ai eu quelques os. J'ai ramassé quelques petits bois aussi. Voilà, on se referme. Et on va se faire de la poudre d'os. C'est par là qu'il faut descendre. Mon XP. Ah, il y a du fer de partout ici. Oh là là, je suis bête, il y a du charbon ici. Voilà, ce sera. Oh non. Plus de poudre d'os. Bon bah tant pis. Ça aura servi à rien. Mais j'ai des flèches, c'est déjà bien. Et qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Bah, je vais aller récupérer le fer pour me faire une petite armure. Prendre une petite épée. On va d'abord descendre par là parce que c'est le fer que j'ai à portée de main, tout simplement. Puis après, je descendrai dans ma caverne pour aller récupérer la lave et le fer. Je vais récupérer le charbon aussi pour me faire des torches. Je pense que ce serait pas mal. Et puis on pourra peut-être commencer à construire aussi. Avant d'être optimiste et de se faire une armure et tout ça, on pourrait peut-être commencer à construire. Vite fait, à commencer à peu former le terrain. Bon, je ramasse pas tout parce que j'en aurais bien besoin un jour. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai aucune idée de comment je pourrais faire. Je vais sûrement creuser dans des petites maisons dans les côtés là. Ce sera plutôt sympathique. Par exemple là, ça fera une petite entrée de maison. Voilà. Ici aussi.
Petite entrée de maison de zombies. Ah bah tiens, du charbon. C'est bon ça. Pareil, je vais pas tout récupérer d'un coup. Parce que j'ai envie d'économiser un petit peu mes... Ici, ce sera, on va dire, ce sera la mairie ici. Faudrait que je note tout ça parce que je vais peut-être pas m'en rappeler en fait. Ici, ce sera la mairie. Ah, ça, on peut faire quelque chose de plutôt sympa, oui, je pense. Faudra faire... Il y aura la mairie ici, les deux petites maisons là. On fera des petites maisons un peu plus haut là. Par exemple, on va en faire une petite là. Regardez ce qu'on va faire. On va faire une petite entrée. Ce sera plutôt basé cobble pour faire zombies. Je sais pas pourquoi, pour moi, les zombies, ça fait construire des maisons cobble. Voilà. Il y a quelque chose qui sera plutôt pas mal, c'est que pour la 1.4, les zombies seront équipés d'armes. Bon, plutôt pas mal. Peut-être pas pour moi, parce que je vais me faire défoncer. Mais ça fera plus réaliste au niveau des Steves. Parce que les Steves auront des pelles, des choses comme ça. Et ce sera vraiment bien. Donc là, je commence à préparer les petits trucs. Bah, on peut faire quelque chose de joli. J'ai envie de dire, on peut faire quelque chose d'assez joli. On va récupérer ce fer là-haut. Gravier, gravier. Ah, quand même pas mal de fer, ouais. Donc les férus de minage. Franchement, je sens que je vais les satisfaire avec cette série parce que de toute façon, ce sera ça. Je creuserai, je minerai, je ferai tout. Alors là, ce sera les maisons de luxe parce qu'elles seront près de la mairie. Et puis il faudrait que j'aille récupérer les œufs auprès du grand, de la grande statue du zombie. Qu'il faudra que je trouve. Oui, oui, il faudra que je la trouve. Et à ses pieds, normalement, il y a un coffre avec, avec des œufs de zombies. Pour faire des œufs que les femmes zombies ont laissés avant d'être exterminées. Pour pouvoir, pour pouvoir tout simplement les faire spawn dans le petit village. Le petit village de zombies. Alors j'en avais avant de faire cette série bien sûr parce que je fais pas des trucs comme ça sur un coup de tête parce que pour demander à éviter que ce soit pourri, j'ai demandé l'avis de beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils étaient intéressés. J'espère que je satisferai leur leur intéressement. C'est pas français du tout, mais on s'en fout. Espace disque faible. Tant pis. Je finis cet épisode. Voilà, on a commencé à faire un petit peu le petit truc là, ça peut donner quelque chose de sympa. Là on pourrait faire une petite mezzanine. Qu'en pensez-vous? Une petite mezzanine comme ça. Là. J'ai plus de cobble déjà. Bon bah. On va remonter. Et bon bah. Salut toi. Tu vas mourir toi. Ah, roulette de merde. Tiens. Voilà. Bon. J'espère que cet épisode sera pas trop court, mais bon, désolé, espace disque faible, je dois faire des montages et tout ça. Donc, je vous dis au prochain épisode, les amis. À l'épisode 3, exactement. Et, portez-vous bien en attendant. Hein. Continuez, regardez mes autres vidéos, Forgotten Land... Bientôt il y aura Minecraft Edge si ce n'a pas, si ce n'a pas été déjà fait. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager ma chaîne et commenter mes vidéos. Voilà. Merci à tous de me suivre encore une fois et j'espère que cette nouvelle série vous plaira. Bye bye tout le monde.